Dans le reste de l'actualité, on revient sur la polémique autour de l'exclusion de l'UMP de Christian Van Est. Pour le parti de la majorité, le député du Nord a bien quitté les rangs de l'union présidentielle. C'est en tout cas ce que Nicolas Sarkozy a certifié lui-même il y a quelques jours. Christian Van Est, de son côté, s'en défend. Selon lui, il n'aurait jamais démissionné. Le nouveau patron du RPF a critiqué le président de la République qui, selon ses mots, n'a pas à se mêler des affaires du parti. Il aimerait tout de même défendre sa candidature aux législatives. Et pour l'UMP, Christian Van Est va bien devoir démissionner prochainement. Il ne pourra donc pas se présenter sous la bannière UMP lors des législatives en juin. On va écouter donc à ce sujet le principal intéressé, Christian Van Est, au micro de Pierre Bovillain. En fait, il cherche à me faire partir. Et je pense que ce serait leur donner raison que de partir. C'est essentiellement pour ça que je reste. Parce que juridiquement, rien ne m'empêche de partir. Moi, je me suis contenté de lutter contre un lobby dont la puissance est vraiment illégitime et simplement de rappeler une vérité historique. Jusqu'à présent, on n'a pas encore osé en démocratie punir quelqu'un pour avoir dit une vérité. C'est ce que semble vouloir faire M. Copé, comme il ne peut pas le faire. Bon, il essaie de me pousser à dire que je me retire moi-même. Ben, je ne le ferai pas.